Salut tout le monde, aujourd'hui j'essaye la Indian Chief Dark Horse 1890 cm3. Dark Horse, hein, si jamais vous m'entendez hennir dans la vidéo, c'est normal. Vous êtes sérieux? Alors pour vous donner quelques infos pratiques, un moteur de 90-95 chevaux, j'arrive pas à trouver la précision sur internet, un couple de 16,5 m3 à 3200 tours minute, une machine qui pèse 294 kg. À sec, un réservoir de 15 litres, un bicylindre à 75 degrés. Voilà, et pour ceux qui veulent être pointilleux, les petites finitions là, un peu bof bof, tu vois, le boîtier ici aussi. Bon, voilà, sinon, dans l'ensemble, elle est bien finie, sauf ces petits câbles disgracieux. Maintenant, pour le poste de pilotage, regarde la clé, elle est jolie, hein, vraiment sympa. Donc ça, c'est clé de proximité, bien sûr, on ne la présente plus, on off ici, et vous avez un compteur totalement numérique et tactile en plus. Voilà, donc à l'écran, oui, ça, voilà, là c'est mieux, ça fait moins de bugs. Donc ici, vous avez les options, donc moto, donc ça c'est pour les informations, tu vois, batterie, range, donc c'est le kilométrage qui te reste à parcourir, c'est une estimation, l'essence, ça doit être la température, alors est-ce que ça bouge? Non. Vous avez GPS, trajet, indicateur, tac, voilà. Vous pouvez changer les types de compteurs, vous pouvez le faire aussi avec le bouton. Vous mettez celui qui vous plaît le plus, moi c'est celui-là. Il y a le rapport engagé, jauge d'essence, régime moteur, vitesse. Et ça c'est une boussole qui te dit dans quelle direction tu vas. Voilà, pour ceux qui s'intéressent. Ensuite ici il y a les modes de conduite, je vais me mettre en standard. Luminosité, voilà. C'était pour vous faire une petite présentation sommaire. Signature lumineuse qui n'est vraiment pas vilaine. Allez, le moteur est chaud, je vais vous la faire démarrer. Allez, c'est parti, je monte dessus. Alors, elle est lourde. 294 kg à sec, là il y a la moitié du plein, mais le centre de gravité étant très bas, ça va encore, ça passe. Il y a une boîte extrêmement large, tu vois, là, ça. Ici il y a la tubulure qui est bouillante, et ici il y a la boîte, bon, qui est chaude mais qui n'est pas autant bouillante que le pot, donc il faut faire quand même attention à l'échappement. Pour ma position, mon buste est droit, mes mains sont à 5-6 cm. Des poignets, donc il faut que je m'incline un peu sur l'avant, ce qui fait que pendant que je roule, j'ai les bras tout au long tendus. Les repose-pieds, ils ne me gênent pas quand je pose les pieds au sol, ils sont un petit peu en avant, les commandes sont facilement accessibles, on a les jambes très très écartées, vraiment ça c'est indéniable, forcément il y a une boîte gigantesque, donc c'est qu'un coup à prendre de toute façon, comme toutes les motos. Allez, je mets le contact. J'appuie une fois. Le défaut, enfin, si je peux dire le défaut, c'est le temps d'allumage. À moins que... Ah, c'est bon. Et je peux partir maintenant. Oui, voilà. Comme ça, il fait sa petite présentation, le compteur. Il est content. Et moi, je peux me barrer tranquille. Recommandation, nanana, ok. Ça aussi, c'est un peu embêtant d'avoir toujours ce petit panneau de... Ah oui, ça secoue, hein. À bas régime, ça secoue fort. Alors là, je suis en standard. Vous voyez, c'est une bonne catapulte, hein. Freinage. Le freinage est pas mauvais.
y a une latence à l'accélérateur, ouais, à l'accélération, à l'accélérateur si tu veux. Regarde. T'as une petite latence avant de prendre les gaz. Pareil, un petit coup à prendre. Cette latence que tu n'as plus quand tu es en mode sport, hein, mais je vais y venir après. Allez, c'est parti. Là, je suis en standard. Le couple est très généreux. Et la moto est vive, elle a envie, quoi. Hop, je peux déboîter. T'as vu cette arbalète? Ça pousse, hein. Oh là là, oui. Facilement en vitesse réduite, tu peux même prendre pas mal d'angle. Par contre, une fois que tu roules vite, que tu hausses le ton, ça frotte relativement facilement. Là non, tu vois, ça frotte pas, mais dès que tu as des virages un peu plus serrés, c'est là que ça va toucher un peu plus facilement, ou alors avec une passagère. Mais dans l'ensemble, ça frotte pas si facilement que ça. Alors, mode de conduite. Ici, on va se mettre en sport. Et là, tu vas voir que la réponse des gaz est immédiate. Même trop immédiate. Oh la vache, oh le coup de pied au cul. En fait, tu te prends un coup de pied au cul de Shrek, tu vois. Truc monstrueux, quoi. Oh. Faut vraiment être habitué. Une fois que tu t'y attends et que tu es habitué, c'est bon. Mais alors, les premiers coups de gaz en mode sport, pour ceux qui l'ont, hein, la 2021, dites-moi ce que vous avez pensé du mode sport pendant les premiers instants, parce que je suis curieux. Faut vraiment y aller très doucement, ou alors vraiment être comme un boucher, tu vois, t'es là comme ça, et tu t'en fous de tout, tu accélères à fond pour que ce soit le plus attractif possible. Voilà, le poids, tu le sens, oui. Alors, je sens que le poids est très bas, hein, mais les 300 kg, elle les fait facilement, ouais. Je peux pas dire, elle s'allège avec la vitesse et compagnie. Elle est facile, si tu veux, sur des petits virages, des courbes, des lignes droites. Mais dès que tu dois vraiment aller un petit peu plus vite, tu sens le poids. Mais bon, c'est normal, hein, 300 kg sur la balance. À un moment donné, ça peut pas se planquer, hein. La gravité... On ne triche pas avec la gravité. Mais pour revenir au moteur, il est addictif. Hein. Ça pousse, hein, et ça demande. Hein. Donc mode standard, ça suffit amplement. Mais c'est la latence à la poignée qui ne me plaît pas. Tu vois, quand tu rétrogrades et que tu as envie de mettre du gaz, ben en fait, tu es en retard dans le coup de gaz. Ce qui fait que, bon, ben voilà, on dirait un vieux novice... Donc ça, je suis pas fan de la latence, non. J'aurais voulu aucune latence, mais plus de douceur, une reprise directe, mais avec de la douceur. Mais bon, ça, à voir si ça se règle pas, ou voir les millésimes suivants, s'ils vont régler ça. Pour le freinage, il n'est pas en reste, hein. Ça freine vraiment bien. Il faut... Alors, j'ai pas un super gros feeling avec le levier, je veux dire, il est un petit peu dur. Mais hormis ça, dès que tu mets un peu de force, c'est nickel. Hein. Il est dosable et il est assez mordant. L'arrière aussi, sympa. Vraiment, non, mais conforme. La position, faut aimer, hein, encore une fois, comme je dis. Et il y a un truc qui me gêne, jambe gauche, c'est la boîte à air. Tu la vois, c'est celle-là. Elle me dérange, en fait. Je suis en appui sur elle et je sens un angle. Je sens que c'est pas du tout naturel. Les grands toucheront peut-être le réservoir, mais j'allais y venir sur la taille. C'est plutôt une moto pour grand, genre, enfin grand, à partir d'un mètre 80, là, ils se sentiront bien. Moi, je fais 1m72 et je suis pas super à l'aise. Enfin, je suis bien si tu veux, et je suis bien sur une courte durée. Parce que les bras tout le temps tendus,
implique que si je veux fléchir un peu les bras, je vais encore plus avancer le buste. Bon, après, est-ce que c'est pas des motos pour aller boire le café? Donc bon, on va dire que pour une courte distance, la position n'est pas mauvaise. Et pour les grands, je pense que ça ira vraiment nickel. Je regarde même pas mon compteur, juste j'accélère et ça part. Là, je suis en quoi? Bah en 4. En 4 à 100 km/h, j'étais à 3000, c'est ça? Donc c'est ça, les rapports tirent hyper long. Donc tu te sens jamais en galère de vitesse, quoi. Puis le moteur, même s'il coupe relativement tôt, je trouve que pour l'architecture du moteur, il monte assez haut. Attention, toute proportion gardée, une fois encore. Mais il s'essouffle pas au bout de 3500 tours minute, quoi, tu vois. D'ailleurs, il s'essouffle à combien, ce moteur? Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Je suis en 2. Ah ben, j'ai pu aller à plus de 5000 tours minute sans sentir la coupure. Donc non, voilà, comme je dis, toute proportion gardée, il y a une certaine allonge et il est accessible facilement. Donc c'est une moto, mais largement réussie. Là, je vais faire un demi-tour. Hop là, angle de braquage restreint. Là, je me suis mis en 6, 70 km/h, 1500 tours minute. Si je mets poignée dans l'angle, je suis déjà à 90. Les suspensions sont assez confortables, pas trop tape-cul, mais pas non plus chewing-gum. Donc c'est conforme, c'est très très correct. La tenue de route n'est pas mauvaise. Tu vois, le calpi ne touche pas là. Disons que c'est pas ma préoccupation première de toucher. Bon ben, cette vidéo s'achève. Un grand merci à la concession Indian Toulon pour m'avoir prêté ce bobber assez monstrueux quand même. Bon ben voilà, je suis chez Indian. N'hésitez pas à passer les voir. Tac, je cut le moteur, béquille, et j'ai pas Eni. Voilà, c'était juste pour la blague. Merci, très bonne blague, bravo. Allez, où sont les grammy de la blague? Je viens chercher mon trophée, les gars. Non, bon, au revoir. Merci à Indian encore une fois pour m'avoir prêté ce petit monstre là, enfin petit, ce monstre tout simplement. Hop, je l'éteins comme ça. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.